Merci bien à tous et à toutes pour cette journée absolument passionnante. Alors, grand témoin, il faut peut-être expliquer un peu pourquoi on m'a désigné sous cette appellation. Grand, ben, je mesure 1m83, donc je me considère comme grand. Enfin, après, c'est témoin. En fait, quand vous m'aviez contacté, qu'est-ce que je peux raconter comme témoin? Et finalement, je fais un peu d'introspection, comme Christophe Courdan, et je me suis aperçu qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais déjà très impliqué dans un ensemble de réalisations, notamment dans l'Académie de Lille et ailleurs aussi. Et ce qui m'a amené, alors ce sera peut-être un premier temps, puis après je ferai vraiment un peu un bilan, une synthèse, une conclusion de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, on était dans le prolongement, si vous voulez, la suspension du service militaire en 1997. Et dès la fin 97, je crois qu'il y a une loi du 28 octobre 97 qui prévoit, je cite, que les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire. Loi du 28 octobre 1997. Alors, il a fallu que ça se mette un petit peu en place. Et au début des années 2000, entre en gros 2002, 2003 et 2005, il y a eu un nombre de choses qui ont été réalisées. Je vous en cite quelques-unes. Hein, les journées des réservistes de l'éducation nationale qui ont eu lieu à Paris en 2003 et 2005. Je crois que j'ai dû participer à l'une des deux. Un colloque en 2003 également sur l'éducation à la défense organisé par la commission armée jeunesse, la conférence des directeurs d'IUFM à l'époque, les ancêtres des INSPE, et du commandement des formations de l'armée de terre à peu près à la même époque, signe une convention pour des échanges pédagogiques. Dans l'académie de Lille, le DMD, le délégué militaire départemental de l'époque, le lieutenant-colonel Pacula, avait lancé des rencontres défense-éducation nationale. Je travaillais avec lui pour la première qui avait eu lieu à Saint-Martin-les-Boulognes. C'est devenu aujourd'hui, je crois, le rassemblement défense-éducation nationale. Et si mes informations sont bonnes, la 18e session s'est tenue au lycée de l'ESCO à Valenciennes l'année dernière. Et puis, bon, les classes de défense qui sont apparues en 2005, et également, passons encore, on va envoyer aussi aux historiens et aux géographes, en avril 2005, la revue de l'Association des professeurs d'histoire et géographie, historiens et géographes, fait un dossier sur enseigner la défense, et avec des intervenants militaires, enfin des auteurs militaires et des auteurs de l'éducation nationale, et en particulier il y avait le CEMAT de l'époque qui avait fait une note, et des collègues du secondaire qui exposaient un certain nombre de choses, et puis des historiens. J'ai également participé à ce numéro. Voilà, donc je me suis retrouvé dans plusieurs de ces actions il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc, cette question, elle revient régulièrement, j'ai l'impression, de ce lien entre école et défense, et puis sur l'enseignement de la défense. Alors, je vais passer peut-être maintenant, après ce petit parcours chronologique et ces quelques rappels, peut-être à des éléments de conclusion. Je ne prétends pas faire la synthèse complète de tout ce qui a été dit aujourd'hui, qui était très riche. J'ai beaucoup appris et j'étais très intéressé. Et en propos liminaire, je voudrais quand même rappeler ce qui est apparu à certains moments. Mais il faut voir l'école et la défense comme des choses extrêmement diversifiées. L'école, ce sont des personnes d'administration, d'encadrement, de direction, de service. Ce sont des enseignants, ce sont des élèves. Ce sont différents niveaux, primaire, secondaire, supérieur. Ce sont, enfin, supérieur, c'est plus l'école, mais c'est l'université. Ce sont primaire, collège, lycée. Ce sont également des lycées professionnels, des lycées classiques. Voilà, donc très grande diversité dans ce qu'on met derrière le mot école. Derrière le mot défense, la diversité est à peu près aussi grande, voire davantage. Je vais simplement me concentrer ici, mais je reviendrai après sur cette question de défense, sur les armées. Ce matin, j'ai souri à un texte montré par Jean-François Condette où on parlait de l'armée comme étant l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. Mais c'est bien plus que ça. Les armées, la marine, l'aviation, la gendarmerie à statut militaire. Et puis, il y a des grades, il y a des décors, il y a des armes. Voilà. Donc, on a deux ensembles extrêmement diversifiés. Et évidemment, ça complique aussi un petit peu les rencontres. Alors, mon propos conclusif tournera autour de trois points, trois sous-parties. Je me suis un peu amusé. D'abord, de voir un esprit de défense, premier point. Deuxième point, ce sera sur les enjeux de l'enseignement et de l'éducation à la défense. Et un troisième point sur des conditions de mise en œuvre d'un rapprochement entre la défense et l'école. Alors, le premier point, donc un esprit de défense, trois points que je vais décliner autour de cette idée. D'abord, des convergences.
Ensuite, prendre en considération la globalité de la défense. Et en troisième point, un état d'esprit, regarder le monde tel qu'il est. Alors, première sous-partie, premier sous-point, si vous voulez, l'école et la défense sont deux institutions qui convergent sur un ensemble de choses. Elles sont différentes, certes, mais elles s'inscrivent toutes les deux dans un ensemble global qu'on pourra décliner, là, je pense notamment au lieu de mémoire de Pierre Nora, autour de la République, de la nation et de la France. Il disait même plutôt les Frances ou la patrie. Et au-delà des institutions, je crois que c'est très important, ça a été évoqué dans la plupart des interventions, on a affaire à des personnes. D'où l'importance des échanges directs, d'où l'importance des témoignages pour se comprendre. Cette convergence, elle s'inscrit également ce qu'on a vu comme étant le lien armée-nation, ou plutôt les relations civilo-militaires, pour reprendre l'expression de Claude Weber. La défense, c'est peut-être là aussi, pour conclure cette première sous-partie, est un aspect central de l'exercice de la citoyenneté. Au XIXe siècle, être citoyen, c'est d'abord défendre sa patrie. Deuxième idée, je crois que c'est important aussi, dans cet esprit de défense, de bien prendre en considération la globalité de la défense. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est l'ordonnance de 1959 qui le rappelle, qui l'affirme, qui l'inscrit dans le marbre. La défense n'est pas seulement militaire, même si elle est aussi, il y a un volet militaire très important, et on a rappelé l'importance en particulier du cyber, de la guerre informationnelle, qui sont aussi des vecteurs nécessaires à appréhender pour avoir une vraie globalité de la défense. Enfin, je voudrais insister sur l'état d'esprit qui prévaut, qui doit prévaloir. Je vais reprendre une phrase qui a été citée par le général Gardy. Regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, dans un contexte également d'urgence, avec la nécessité de préparer les esprits, avec la nécessité de renforcer les forces morales ou l'esprit de résilience, pour reprendre l'expression de Karine Rousseau, de renforcer aussi la cohésion nationale. Il faut, et là c'est peut-être une des grandes difficultés dans cet esprit, c'est qu'il faut à la fois chercher à toujours promouvoir la paix, et c'est un enjeu qui existe depuis le XIXe siècle, chercher à la fois à promouvoir la paix et en même temps à préparer la guerre, ou au moins peut-être des formes de confrontation qui ne se limitent pas à la guerre. On connaissait tous l'adage « civis pacem, para bellum ». Il est toujours d'actualité. Alors, deuxième aspect dans ma conclusion, ce sont les enjeux de l'enseignement et de l'éducation à la défense. Alors, trois idées également. D'abord, il s'agit d'enseigner des enjeux plus que qu'un esprit, replacer la défense dans un contexte civique et géopolitique. Et enfin, quelques points d'attention. D'abord, il s'agit d'enseigner, d'éduquer aux enjeux concrets de la défense et pas en rester à une espèce d'esprit un peu vague, de grande généralité. Alors, enseigner et éduquer aux enjeux de défense pour, un peu les objectifs, former des citoyens, pour inciter à toutes les formes d'engagement, on parlait de la Ligue de protection des oiseaux parmi d'autres, mais qui n'interdit pas, qui n'exclut pas, même si ça peut être un tabou pour certains, également d'inciter aussi à s'engager dans les armées, comme réserviste ou comme militaire d'active. Il s'agit aussi de mobiliser, comme objectif de mobiliser les esprits, de recréer ou de créer du lien, et de faire découvrir en même temps les missions des armées. Et à cette fin, deuxième grand enjeu, il s'agit de replacer la défense dans un contexte civique et géopolitique. Alors, en fait, c'est la question revient à pourquoi se bat-on ? Pourquoi doit-on se préparer à se battre ? On parlait tout à l'heure des enjeux de la résistance. Pourquoi s'engage-t-on en résistance ? Défendre la liberté ou les libertés, défendre la démocratie, défendre la nation, défendre les valeurs de la République. On peut décliner ça sous différents aspects. Moi, je pense qu'il y a aussi un point qui a été un petit peu abordé rapidement, sur lequel on pourrait un peu revenir, c'est l'importance du continuum sécurité-défense.
La sécurité, ce n'est pas uniquement la sécurité civile, c'est la lutte contre le terrorisme sur le territoire national. On est à la limite entre la sécurité et la défense. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'institutions aujourd'hui ont pris le nom de sécurité et défense ou défense et sécurité, que ce soit les classes de défense et de sécurité, que ce soit, je crois, mon général, votre état-major inclut le titre de sécurité. Et les zones de défense et de sécurité, moi j'ai connu des zones de défense tout court. Qu'est-ce que j'avais encore comme idée? Bon, peu importe, on peut trouver d'autres exemples, mais justement cette continuité. Le SGDSN, l'ancien secrétaire général de la défense nationale, qui dépend du Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre qui coordonne, je le rappelle, la défense, a rajouté le terme de sécurité il y a une quinzaine d'années dans sa titulature. Enfin, je verrai peut-être quelques points d'attention. J'en verrai peut-être trois. D'abord, un rappel, c'est l'invisibilité du fait militaire et l'éloignement du phénomène guerrier et également du rapport à la mort dans nos sociétés contemporaines. Et on a toute une partie de la population qui n'a jamais vu un militaire. Il se trouve que à l'université de Picardie, à Amiens, où je m'occupe d'un module au profit d'étudiants de l'INSPE sur les questions de défense, eh bien on fait venir des militaires en tenue. Voilà. Donc, quand même que c'est aussi concrétiser la réalité de la défense. Deuxième point d'attention, peut-être, on a parlé du vecteur de la mémoire comme point d'entrée, ça me paraît tout à fait essentiel et important, mais je pense qu'il ne faut pas réduire l'éducation à la défense aux questions mémorielles et ou commémoratives. On peut toujours faire des tas de cours sur la Première Guerre mondiale, visiter les champs de bataille, ou sur la Seconde, hein, vous pouvez aller visiter Bondu, etc. Ça peut être un vecteur, un passage, mais ce ne sera pas le seul pour vraiment prendre conscience des enjeux de défense aujourd'hui. Autre élément, l'éducation à la citoyenneté, très bien, qui est fondamentale, hein, puisqu'on rappelle que la défense c'est une des missions principales, premières du citoyen, mais on ne peut pas concevoir cette citoyenneté de manière hors sol, et on ne peut pas marginaliser les questions de défense dans ces questions de citoyenneté. On parle par exemple des rallyes citoyens, on y met un peu de militaires pour rappeler aussi que la défense est importante. Mais voilà, il faut aussi dire franchement les choses et aller jusqu'au bout et vraiment évoquer ces enjeux et ces questions de défense. Alors, comment mettons cela en œuvre? Ce sera mon troisième point, des conditions de mise en œuvre d'un rapprochement entre la défense et l'école. Alors, d'abord, première idée. Bon, il y a les évolutions, les freins, et puis des réalisations concrètes. Les évolutions, on l'a rappelé ce matin pour la Troisième République, jusqu'à la première. Il y a d'abord un mythe autour de l'école qui aurait été au service de la revanche. D'ailleurs, la revanche n'a jamais été vouloir attaquer l'Allemagne. Hein. La revanche a toujours été défensive. Mais l'école n'est pas l'outil principal, est un outil, participe peut-être à l'esprit de revanche, mais ce n'est pas sa fonction principale. Et on a vu des divergences. Voilà. Elle peut justifier le service militaire dans une perspective défensive, mais voilà, ce n'est pas l'outil principal de la revanche, et il n'est pas question d'attaquer l'Allemagne. Autre mythe sur lequel je voudrais revenir, et qui a été un petit peu évoqué par Claude Weber, c'est le mythe du service militaire universel, égalitaire, etc. Voilà. Même avant la Première Guerre mondiale, le service militaire n'est pas égalitaire. Il y a eu de très bonnes études sur la mobilisation en 14-18, des études sociales, à caractère social. Tout le monde ne va pas combattre dans l'infanterie en première ligne à Verdun. Et le critère social est important, social et culturel est important. Donc voilà, il faut faire attention à ce mythe également. Et je le dis franchement, je pense qu'un certain nombre de nos élites politiques et administratives actuelles qui n'ont pas fait de service militaire ont tendance à mythifier un peu aussi le service militaire. C'est vrai qu'une majeure partie des gens n'avaient pas envie de faire leur service militaire. Ils le vivent de manière très diverse. On a parlé un tout petit peu ce matin de la loi de 1872 qui permet aux fils de la bourgeoisie de ne faire, ils doivent payer un peu plus, de faire un an de service et non pas quatre, et d'avoir un service un peu dans un lieu à part, dans une section à part, une compagnie à part. Enfin, donc, on ne peut pas parler d'égalité.
Il y a aussi des évolutions chronologiques. Hein. Il y a des moments où on est plus intéressé à l'école de parler des questions de défense qu'à d'autres moments. C'est vrai lors des montées en tension. Hein, et on a parlé du tournant de 2015, peut-être aussi d'un tournant 2022. Moi, je suis historien, donc c'est les tournants très récents, j'ai toujours un petit peu de mal. Le tournant 97, mais qui n'est pas lié au contexte international, il est lié à la suspension du service national, a pu jouer également. Et ça me paraît important donc de remettre ça en perspective. Il y a, deuxième point, des freins dans cette mise en œuvre d'un rapprochement, des freins qui tiennent au choc des cultures, hein, pour reprendre l'expression de Karine Rousseau, des chocs des cultures, des corporatismes de part et d'autre. Hein, on ne se comprend pas, des méconnaissances réciproques. Je sais qu'il y a des militaires qui considéraient que les universitaires étaient tous des dangereux antimilitaristes. De à l'autre côté, je peux vous citer des tas d'exemples, notamment un exemple déjà un petit peu ancien d'un grand spécialiste d'histoire militaire qui s'appelait André Corvisier, spécialiste d'histoire du XVIIIe siècle. Mais quand il est rentré dans une salle de colloque, on lui disait, tout le monde se disait, garde à vous, voilà le professeur général, quoi. Voilà, donc c'est pas nouveau. Ça se tasse à certains moments, heureusement. Il y a des dimensions idéologiques. Hein. J'ai bien aimé la typologie qui était présentée tout à l'heure, je crois, par Thomas de Guffroy, sur la forte implication, les réticences, l'indifférence. Je crois que c'est l'indifférence qui prime, comme d'habitude, notamment chez les enseignants. Et puis des freins institutionnels. On a tendance, peut-être trop, à confier, je vais commencer par une plaisanterie, Clémenceau qui disait que la guerre, en sens ministère de la guerre, était une affaire trop sérieuse pour la confier aux militaires. Eh bien, on pense dans l'éducation nationale que la guerre est une question suffisamment sérieuse pour la confier au seul professeur d'histoire-géographie. Voilà. Et je pense que là, il y a aussi beaucoup de travail, puisque ça devrait être, comme la défense est globale, il faudrait que l'éducation à la défense, elle soit également globale. Elle concerne toutes les disciplines. On a parlé des CPE, mais il n'y a pas évidemment que les CPE. On peut faire aussi des choses en mathématiques et dans d'autres disciplines. Voilà. Et alors, des réalisations concrètes, dernier point. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été évoqué. Il y a eu plein d'initiatives exceptionnelles. Je voudrais peut-être pointer quelques questions. J'ai l'impression un peu d'un éparpillement, d'une dimension très ponctuelle, des collègues très investis, très impliqués, qui font des choses superbes. Ça touche une minorité d'élèves, a priori. Ça peut aussi passer par l'éducation média, mais voilà, j'ai l'impression quand même que les questions liées à la défense ne sont pas maîtrisées par une majeure partie des collègues et des élèves. Deuxième remarque, peut-être, ces réalisations concrètes, on a tous insisté là-dessus, passent par l'importance de l'esprit critique. Alors, évidemment, c'est la base des sciences sociales, en histoire également, mais je pense que c'est un point important. Alors, ça peut amener des questions dérangeantes. Hein. On l'a évoqué ce matin, notamment Jérôme Grondeux. En tous les cas, pour reprendre aussi une expression qui a été citée, il s'agit d'éviter de réciter un catéchisme militaire ou républicain ou quel qu'il soit, pour vraiment développer l'esprit critique. Et quand on analyse des guerres, voilà, pour ça, je me rappelle au moment de l'invasion russe en Ukraine. Et tout le grand discours, l'Ukraine, grande démocratie. Non, enfin, il faut excuser moi, mais l'Ukraine n'est pas une grande démocratie. C'était un des pays les plus corrompus sur le continent. Voilà, il faut aussi l'admettre. C'est-à-dire, il faut garder l'esprit critique. Ça n'empêche pas qu'on puisse soutenir l'Ukraine, hein, mais il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'irénisme. Voilà. Et on pourrait en dire autant pour le conflit israélo-arabe, où je sais que c'est beaucoup plus sensible. Et puis, une autre question également. Je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que l'éducation nationale peut apporter à la défense ? Elle apporte sa jeunesse, elle apporte son enthousiasme, elle apporte aussi peut-être une pratique pédagogique. Je me rappelle le début de mon service militaire où pendant les classes, où on expliquait, je ne sais plus quoi, le fonctionnement d'une arme. Et puis, donc, le militaire qui présentait le fonctionnement du FAMAS, peut-être, passait les transparents les uns après les autres. Voilà. Puis, il regardait, voilà, vous recopiez ce qui est... On lui expliquait que ce n'était pas tout à fait la pédagogie. Alors, il avait très intelligemment appelé tous les professeurs
c'était un contingent privilégié, c'était au mois d'août. Il avait appelé les quelques professeurs qu'on était dans la section, dans la compagnie, et puis expliquez-moi comment vous envisagez la pédagogie. Voilà, donc il y a aussi des échanges qui peuvent être intéressants de ce point de vue-là. Et puis, au-delà de l'éducation nationale, il y a toute la dimension recherche, université, où effectivement on a parfois mal à communiquer, puisqu'on est extrêmement pointu dans nos recherches. Évidemment, je comprends très bien les opérationnels qui n'ont pas le temps de dire 50 thèses sur un sujet pour éclairer leur processus de décision. Voilà un petit peu les grands thèmes que j'ai repérés dans ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, on pourrait aussi prolonger en disant qu'est-ce qu'il y a encore à construire. Moi, je pense que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est, alors, peut-être un mot un peu fort, mais de systématiser ce qui se fait déjà. Hein, de le généraliser. Alors c'est voulu aussi par nos ministères respectifs, mais il y a vraiment là un enjeu important de faire en sorte que ça ne concerne pas qu'une minorité, peut-être importante, des élèves, mais que ce soit tous les élèves qui soient vraiment sensibilisés profondément et durablement sur ces enjeux de défense. On sait aussi que l'enseignement est un art de la répétition et que ce qu'on a raconté une année, l'année suivante, les élèves l'ont complètement oublié. Mais voilà, c'est un enjeu aussi à tenir peut-être pour nous tous dans les années à venir. Merci de votre attention. Il me reste à vous remercier tous, et en particulier le général Gardy, pour votre accueil extraordinaire. J'ai souvenir de quelque chose que vous avez dit il n'y a pas si longtemps, quand on s'est rencontrés dans le cadre du Trinôme. Vous avez dit, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas forcément le quantitatif, c'est le qualitatif. J'espère que vous êtes satisfait aujourd'hui de ce qui vous a été proposé dans cette réflexion qui nous intéresse et que nous continuons de prolonger, notamment à l'INSPE à Lille, dans le module complémentaire qui articule citoyenneté et défense, mais que vous connaissez puisque vous y êtes déjà intervenu. Voilà. Merci à tous les intervenants de la table ronde, des deux tables rondes. Merci à Jean-François d'avoir introduit également la journée. Et puis merci, Xavier, d'avoir produit une conclusion effectivement qui permettait de reprendre tous les éléments saillants de la journée. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.